Qu'est-ce que la sociologie pour un élève de philosophie? Il nous a semblé qu'il était important de poser cette question si nous voulions proposer une image juste, c'est-à-dire rectifiée, de la sociologie. En effet, il suffit de réfléchir quelques instants pour apercevoir que la tradition scolaire véhicule une image de la sociologie qui correspond assez peu à l'image que nous en faisons en tant que praticiens de cette discipline. Oui, et nous voudrions essayer de montrer en quoi cette image traditionnelle, réduite à une sorte d'urchémisme, délavée et routinisée, correspond très peu à la réalité de la pratique scientifique en sociologie, étant entendu par ailleurs que une image plus moderne, si l'on peut dire, de la sociologie, celle qu'ont véhiculé les magazines, la presse, la radio, l'image des sondages d'opinion, l'image des enquêtes à grand spectacle, n'est guère plus juste que l'image traditionnelle. Oui, on pourrait dire, finalement, il y a toute une imagerie très fournie de ce qu'est la sociologie. Et outre les images scolaires dont nous venons de parler, les images, par exemple, qu'on pourrait appeler prophétiques ou pathétiques, c'est-à-dire ce discours sociologique sur les maux de notre société, sur son destin, lui aussi contribue à éloigner de ce qu'est le véritable travail sociologique. Par exemple, pour illustrer immédiatement les tromperies, enfin les représentations mystificatrices enfin de la sociologie, je pense qu'un certain type de propos sur la télévision, sur les effets sociaux de la télévision, qui est en continuité directe avec le discours le plus commun sur la fascination qu'exerce la télévision, ce type de propos tend à instaurer dans l'esprit des profanes une représentation profondément fausse de la sociologie, en laissant croire que la sociologie est dans le prolongement du discours spontané sur le monde social. Il y a aussi, enfin, outre cette image prophétique de la sociologie, qui est sans doute la plus voyante, il y a aussi l'image qu'on pourrait appeler pragmatique de la sociologie, c'est-à-dire l'image du sociologue comme assistant social des grands ensembles ou comme conseiller du prince des grandes décisions politiques, image plus prestigieuse ou plus rassurante si on pense à l'assistante sociale, mais finalement tout aussi éloignée de ce qu'est le travail scientifique réel. Oui, bref, si à partir de cette sorte de sociologie, des représentations sociales de la sociologie que nous voulons d'esquisser, nous voulions dégager la problématique qui nous est imposée, nous pourrions la formuler ainsi, est-ce que la sociologie est une science et est-ce que la sociologie est une science comme les autres? Et à cette question, nous voudrions répondre d'une façon assez simple. La sociologie est une science comme les autres, à la différence que le fait qu'on la pense comme différente et que parfois elle se pense comme différente lui rend plus difficile la tâche qui s'impose à elle d'être une science comme les autres. Oui. On pourrait ajouter que ce en quoi la plupart des gens pensent que la sociologie n'est pas une science comme les autres, c'est-à-dire par où ils en font une science plus difficile, c'est finalement qu'ils la croient une science beaucoup plus facile que les autres, beaucoup plus immédiatement accessible. Oui, et c'est cette illusion de la facilité qui nous paraît constituer la difficulté fondamentale d'être sociologue. Cette illusion était déjà exprimée avec beaucoup de force par Durkheim dans des textes qui, toujours relus, ne sont jamais vraiment lus, sous la forme de ce que Durkheim appelait l'illusion de la transparence. En effet, chaque sujet social, en tant qu'homme, pense qu'il est ipso facto savant de l'homme. Et je pense que l'expression « sciences humaines » devrait être bannie du dictionnaire en raison des connotations humanistes qu'elle véhicule et
en raison du fait qu'elle tente à accréditer cette représentation selon laquelle il suffirait de se réfléchir en tant que sujet social pour découvrir la vérité du social, pour faire la sociologie scientifique. Et cette illusion, donc, nous voudrions la dénoncer très fortement en essayant de montrer par quelques exemples en quoi la sociologie doit commencer par une rupture, au sens bachelardien du terme, avec toutes les idées reçues, et en particulier l'idée que les idées reçues peuvent tenir lieu de science. Pour forcer au fond ce que nous voulons dire, nous voulons présenter une image de la sociologie qui ne la sépare pas de ce que l'épistémologie des autres sciences a pu dire sur le travail scientifique. C'est pourquoi Bachelard serait implicitement présent, devrait être implicitement présent dans tout ce que nous allons dire. Lorsque Bachelard présente le travail scientifique comme devant satisfaire aux exigences d'une rupture avec toutes les images premières ou perceptives du sujet, lorsqu'il la présente ensuite comme devant construire ses faits, et enfin comme devant les éprouver dans l'expérience, ces trois mouvements par lesquels l'épistémologie bachelardienne définit la science nous semblent pouvoir s'appliquer, mutatis mutandis évidemment, au travail du sociologue. À cette réserve près que la rupture, la construction et le constat sont en sociologie beaucoup plus difficiles qu'ailleurs, et presque toujours cette difficulté passe par l'impression ou l'illusion de facilité. Alors, si nous prenons ce premier moment qui constitue l'acte scientifique comme tel, la rupture avec les perceptions premières, c'est toute la sociologie spontanée que chaque sujet social a, qui ici se trouve bien plus difficile à surmonter que la physique spontanée dont parlait par exemple Bachelard. Cette sociologie spontanée que Durkheim analysait sous le nom de prénotion, cette sociologie spontanée, c'est-à-dire cet ensemble d'opinions que tout le monde a sur la manière dont marche la société, sur les raisons pour lesquelles les trains n'arrivent pas à l'heure ou pour lesquelles on est en retard parce qu'il y a des embouteillages, etc. Cette sociologie spontanée, il est très difficile de s'en débarrasser. Finalement, même le sociologue est toujours habité par le sujet social qui n'a jamais complètement fini d'être, et par conséquent, la tâche de critiquer les prénotions de la sociologie spontanée est une tâche toujours recommencée, et c'est une tâche que le sociologue doit perpétuellement reprendre dans son travail de recherche, quelle que soit l'opération à laquelle il est affronté. Ce qui rend la sociologie spontanée particulièrement pernicieuse, c'est qu'elle ne se contente pas de donner des explications ad hoc, enfin pour tous les problèmes sociaux que pose la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'annuler les problèmes en les résolvant à trop bon compte, elle repose sur une philosophie du social qui est aux antipodes, enfin, de la philosophie du social que la sociologie doit poser par postulat pour se constituer en tant que telle. Et en particulier, cette sorte d'athéisme du monde moral, pour reprendre la formule de Hegel, que le sujet social véhicule dans son expérience, porte chaque sujet social à vivre le monde social comme lieu de volonté libre, lieu d'action qui sont inspirées par des intentions conscientes, délibérées et à la limite arbitraires. Bon. Dans ces conditions, on voit que la sociologie ne peut pas ne pas rompre décisoirement et décisivement avec cette philosophie en posant par postulat que les sujets sociaux ne savent pas le sens de ce qu'ils font, et que lors même qu'ils croient le savoir, ils engagent dans leur conduite un sens objectif qui n'est jamais réductible au sens vécu. Bon, ce postulat que nous pourrions appeler postulat de la non-conscience n'est autre chose que la reformulation dans le langage propre d'une science de l'homme du postulat du déterminisme méthodologique. Je crois qu'on pourrait maintenant essayer d'énoncer le principe commun à toutes ces images publiques de la sociologie que nous avons énumérées en débutant,
Et ce principe, c'est finalement celui de l'humanisme. C'est-à-dire que la sociologie porte ce handicap que tout homme se croit un peu sociologue parce qu'il est homme. C'est-à-dire... Oui, il pense qu'il suffit d'être humain pour être sociologue et qu'on peut rester humain tout en étant sociologue. C'est cela, parce que tout homme porte un quasi-sociologue en lui et le sociologue hésite toujours à abdiquer l'homme que les autres hommes lui demandent de rester. Et on aurait dans l'humanisme, à mon avis, le principe de toutes les résistances à ce qui fait l'aspect proprement scientifique du projet sociologique. Et par exemple, une question, une façon noble, enfin, de formuler la question naïve que le grand public pose aux sociologues pourrait être « la sociologie est-elle un humanisme ?» Et en fait, un certain type de représentation philosophique, enfin, tendrait à répondre oui à cette question en présupposant que la sociologie peut être une science réflexive par opposition à la science expérimentale, c'est-à-dire que par un certain retour réflexif sur l'expérience originaire du social, sur la manière d'être homme en société, sur les relations fondamentales entre les hommes, qu'il s'agisse des relations à l'intérieur de la famille, des relations de conflit ou de consensus à l'intérieur des groupes, etc., par une réflexion de ce type, on pourrait développer un discours qui permettrait finalement de faire l'économie de l'expérience. Or, en fait, la sociologie est une science expérimentale, c'est-à-dire que le sociologue n'est pas un homme de cabinet qui réfléchit sur son expérience vécue, mais quelqu'un qui se donne les moyens de recueillir non seulement l'expérience vécue des autres, mais surtout leur conduite, leurs actions réelles. Et c'est à partir de cette connaissance scientifique, enfin des actions des autres, de leur conduite, de leurs propos à la rigueur, bon, qu'ils constituent ce système de relations objectives que l'on peut appeler science sociologique. Alors, pour que la sociologie puisse être science expérimentale, elle doit poser par postulat un certain nombre de principes qui définissent ce que l'on peut appeler la théorie de la connaissance du social. Ces principes qui sont purement et simplement le contre-pied des présupposés implicites de la sociologie spontanée. Alors, ces principes, bon, nous en avons déjà formulé un, le principe de la non-conscience, et nous disons non-conscience plutôt qu'inconscient, parce que le mot inconscient véhicule enfin, des significations mal contrôlées, ne serait-ce que parce qu'il y a la concurrence de la psychanalyse enfin, quant à ce concept. Bon, principe de non-conscience, ou encore principe selon lequel la signification des conduites humaines est inséparable du système de relations sociales dans lequel elle s'accomplit. Oui. Et là, pour le dire brutalement, ça veut dire, pour le sociologue, nature humaine, jusqu'à plus ample informé, je ne connais pas ou je refuse de le faire intervenir dans ma démarche explicative. Oui, enfin, il me semble qu'il faut s'arrêter, oui, il faut s'arrêter sur le premier point. Dire que les sujets sociaux se déclarent, se révèlent, ou plus exactement révèlent leur vérité, plutôt dans leur conduite ou dans le système de relations à l'intérieur duquel s'insère leur conduite, que dans leurs propos, dans leurs déclarations d'intention ou dans leurs intentions d'action, c'est dire très concrètement que, par exemple, pour comprendre la situation, ou pour faire la sociologie du cadre moyen, de l'employé de bureau, du petit fonctionnaire au travail, etc., il est beaucoup plus important de connaître la situation objective dans laquelle cet individu travaille, depuis la taille de son bureau, la façon dont est installé ce bureau, l'équipement dont il dispose, les horaires auxquels il est soumis, etc., etc., que de connaître les discours, les propos, les représentations que l'individu a de ses relations. Et en fait, les représentations que l'individu a de ses relations objectives, qui définissent la vérité objective de ce qu'il est, sont très souvent l'écran qui interdit d'accéder à la vérité objective qui est dans ses relations. Je crois que c'est pour ça que le sociologue doit revendiquer, dans cette rupture
avec les principes de la sociologie spontanée, dans cette rupture par laquelle il accède à la théorie proprement sociologique de la connaissance du social, le sociologue ne doit pas craindre d'aller au-devant, enfin de donner donner des armes à l'image positiviste que l'on se fait souvent de sa pratique. Enfin, autrement dit, il y a bien sûr cette image tout aussi publique que les autres que nous avions énumérées de la sociologie, à savoir la sociologie comme réductrice de ce qui fait le sens proprement humain des conduites humaines, c'est-à-dire la vieille série d'anathèmes, du moins dans la tradition humaniste de la philosophie, enfin qui cloue au pilori Comte, Taine et Durkheim. Le sociologue, au fond, sinon il ne s'en sortira jamais, ne doit pas craindre de paraître réduire, parce qu'il les construit à sa manière finalement, les conduites humaines. Et c'est pourquoi on comprend, il me semble, que l'humanisme, que c'est l'humanisme qui est en tout homme, qui résiste au projet sociologique. Parce qu'au fond, que veut faire le sociologue? Il apparaît à l'homme qui agit comme voulant le déposséder de la vérité personnelle de son expérience vécue. Il vient lui dire, ce n'est pas en vous-même, ce n'est pas en vous interrogeant, et même si profondément que vous interrogiez, et même en allant jusqu'aux élégances de l'interrogation de type psychanalytique qui fait intervenir l'hypothèse de l'inconscient, ce n'est pas en vous-même que vous trouverez le sens de ce que vous faites. C'est donc une tentative de dépossession. Par exemple, pour donner un autre exemple concret, la vérité de ce que c'est que d'être paysan n'est pas dans ce qu'un paysan peut répondre à la question « qu'est-ce que c'est que d'être paysan ?» si l'on a eu la naïveté de poser cette question, on sait d'avance le discours que l'on entendra, la terre est basse, c'est un métier impossible, vive la ville, etc. Bon, la réponse est dans la forme des champs, dans la structure de l'espace, dans l'opposition entre un certain type de champ clos et un certain type de champ ouvert, etc. Elle est dans tout un ensemble de données que Durkheim appelait morphologiques, qui sont inscrites sur le sol, qui sont inscrites sur les cartes, qui sont inscrites sur les photographies aériennes. Bon, et c'est en faisant cette espèce de détour fondamental, autour des discours, que l'on peut découvrir et la vérité de ce que les gens sont, et surtout la vérité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont. Je me dis évidemment que nous avons employé le mot d'humanisme dans un sens assez particulier, qui n'est peut-être pas habituel, lorsque nous l'avons présenté comme l'obstacle épistémologique par excellence que doit surmonter le projet sociologique, parce qu'après tout, nous entendions uniquement par là l'image spontanée que tout homme se fait de la connaissance de l'homme comme connaissance facile et susceptible d'être immédiate, réflexive. Au fond, nous entendons par humanisme l'illusion de la science infuse dès lors que c'est la science de l'homme qu'on veut se donner. Et c'est pourquoi la négation, qui a peut-être pu ressembler à une attaque contre l'humanisme, n'a pas d'autre contenu que l'affirmation des trois principes par lesquels nous avons essayé de définir la théorie de la connaissance du social en tant que telle, en tant qu'elle est le fondement d'un travail proprement sociologique, c'est-à-dire le principe de la non-conscience, dont je rappelle que ça signifie simplement qu'on s'interdit par décision de méthode de faire l'hypothèse que c'est en interrogeant la conscience, et fût-ce en la mettant à la question de telle ou telle méthode, de sondage, d'enquête, etc., qu'on se refuse à faire l'hypothèse que la conscience puisse nous donner l'explication des comportements humains qu'on essaie d'expliquer sociologiquement. Deuxièmement, le corollaire de ce principe de la non-conscience, c'est-à-dire le primat des relations, et ce qui en découle directement, troisièmement, l'affirmation que la vérité d'une conduite humaine, quand on veut la comprendre sociologiquement, ne peut absolument pas être autonomisée de la connaissance du système de relations dans lequel la conduite prend place. Système institutionnel ou système beaucoup plus implicite de règles qui contraignent subtilement les comportements et que les sociologues prennent effectivement comme objet. Oui, alors c'est donc toutes les formes de référence à une nature que le sociologue met en question, et en particulier les formes les plus subtiles sous lesquelles réapparaît la notion de nature, qu'il s'agisse des notions de tendance, de besoin, et pour illustrer cette sorte de
mise en question nécessaire que le sociologue doit opérer, je me référais par exemple à un des domaines où la conscience commune, surtout la conscience cultivée, tend à situer l'illusion de la nature, l'illusion de la nature humaine. Je pense à ce qu'on pourrait appeler l'amour de l'art. Dans l'expérience de l'art, la conscience cultivée tend à voir une expérience profondément naturelle, enfin qui serait donnée à quelques-uns plutôt qu'à d'autres. Il y aurait en art des aveugles de naissance et des clairvoyants de naissance. Oui. Il faudrait dire que cette structure de la conscience cultivée culmine évidemment dans la conscience des artistes eux-mêmes qui en fournirait le révélateur. Oui, ce sont toujours les virtuoses, enfin, qui sont les plus enclins à l'illusion de la grâce. Bon. Et je pense donc que sur un problème comme celui-là, on verrait très bien en quoi consiste le travail du sociologue. Le travail du sociologue consiste à rappeler qu'une conduite, qu'une attitude, qu'une aptitude, qu'un don, entre guillemets, ne peut pas être compris complètement indépendamment des conditions sociales qui le rendent possible. Bon. C'est-à-dire que devant tout problème, enfin, le sociologue pose une question qui pourrait être comprise comme une reformulation de la question kantienne la plus traditionnelle, à quelles conditions sociales telle attitude ou telle conduite est-elle possible ? Bon. Et devant, par exemple, l'expérience du jugement de goût, la critique sociologique du jugement de goût consiste à demander à quelles conditions quelque chose comme un sujet cultivé vivant le jugement de goût comme Kant le décrit, par exemple, bon, est-elle possible ? Bon, ceci dit, on est immédiatement renvoyé aux conditions sociales dans lesquelles se produit l'homme cultivé, et par exemple, on voit immédiatement que l'amour de l'art et l'amateur d'art sont le produit d'une éducation scolaire, etc. etc. Bon, et on voit aussi immédiatement comment l'explication sociologique rend compte à la fois du jugement de goût et de la représentation idéologique du jugement de goût qui naît du fait qu'on coupe le jugement de goût des conditions sociales qui le rendent possible. La part des visiteurs qui ont l'attitude la plus sacralisante à l'égard du musée décroît très fortement quand la position sociale s'élève. 66% des membres des classes populaires associent le musée à l'image d'une église, contre 45% dans les classes moyennes et 30,5% dans les classes supérieures. La proportion des sujets qui souhaitent que les visiteurs des musées soient peu nombreux passe de 39% dans les classes populaires à 67% dans les classes moyennes et 70% dans les classes supérieures, qui préfèrent l'intimité choisie de la chapelle à l'affluence de l'église. Bon. Alors là, je crois qu'on arrive à quelque chose d'assez central. En effet, nous avons dit que le sociologue doit, par décision de méthode, enfin, couper en quelque sorte rompre avec le discours spontané que les gens font sur leur expérience. Bon. On voit immédiatement comment, en coupant avec ce discours, le sociologue se donne les moyens de rendre compte de la vérité que ce discours cache et du discours lui-même. Oui, ce qui vient d'être dit ne devrait pas faire croire que la rupture avec la sociologie spontanée est toujours aussi facile. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de croire qu'il suffit d'envoyer promener à la manière platonicienne la sociologie spontanée, c'est-à-dire ce que disent les gens qui ne sont pas sociologues, qu'il suffirait au fond de cette attitude superficielle de rupture avec les signes les plus extérieurs de la sociologie spontanée pour être ou pour devenir sociologue. En réalité, la rupture avec la notion de nature humaine, comme ce qui interdirait radicalement qu'un discours ait quelque apparence sociologique que ce soit, cette rupture n'est pas aussi facile que pourrait nous l'avoir appris une tradition scolaire, par exemple celle du secondaire, qui nous a assez vite et assez tôt familiarisés avec la critique pascalienne, ou dans les textes de Montaigne aussi, de l'illusion de la nature humaine et du discours sur la coutume.
En réalité, bien sûr, plus personne, enfin, si, ça arrive quand même. Enfin, il est tout de même assez rare que ce soit cette nature humaine des explications des pièces classiques du XVIIe, ce mythe de l'âme humaine, qui pèse sur la sociologie. Ce sont des formes beaucoup plus subtiles de l'essentialisme à l'œuvre dans une pensée qui s'exprime à travers la catégorie de nature humaine, c'est-à-dire des formes qui ont revêtu une apparence savante. J'en prendrai des exemples justement dans le discours sociologique. Et ce sont même des mots, ce que je vais prendre pour exemple, à savoir les mots de prestige, de recherche du pouvoir ou de recherche du profit. Ces schèmes explicatifs ont une apparence sociologique et en réalité, dans la plupart des analyses où ils interviennent, lorsque l'on creuse, on aperçoit qu'ils ne font que monnayer d'une manière plus moderne et en apparence plus irréprochable les vieux mécanismes de la nature humaine, c'est-à-dire au terme desquels rien n'est nouveau sous le soleil. De même que nous avons rectifié l'image humaniste, cette vérité première qui n'est qu'une erreur première, nous avons, me semble-t-il, à rectifier maintenant l'image positiviste de la sociologie que nous avons endossée à dessein et consciemment. En effet, il serait dangereux de croire que la sociologie se contente enfin d'évacuer les représentations conscientes que les sujets ont de leur action sociale, d'évacuer même le discours que les sujets sociaux tiennent sur ce qu'ils font. La tâche de la sociologie n'est achevée que lorsque elle s'est donné les moyens d'expliquer ce discours qu'elle a évacué et qu'elle a dû évacuer pour pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que la sociologie doit rendre compte non seulement des relations objectives, des régularités objectives auxquelles obéissent les conduites, mais aussi de la relation que les sujets entretiennent avec ces relations objectives. Oui, là on pourrait prendre n'importe quel exemple. Par exemple celui de la vocation pour tel ou tel type d'études, les mathématiques plutôt que les lettres, que se reconnaît, que vit psychologiquement telle ou telle catégorie d'étudiants, c'est-à-dire selon son sexe ou selon son origine sociale, il serait inutile, c'est ce que nous avons essayé de dire, il serait vain de trop attendre du discours que tiennent sur leur vocation les étudiants, quand il s'agit de faire la sociologie de la vocation. Mais, et il faut s'adresser à la statistique objective qui nous montre comment, en fonction de leur, qui nous dit comment, en fonction de leur sexe ou de leur origine sociale, les étudiants sont plus ou moins représentés dans tel ou tel type d'études. Il ne faut pas lire seulement dans ce tableau l'inégalité des chances d'accéder à l'enseignement supérieur selon l'origine sociale ou le sexe. Il faut y chercher aussi le moyen de comprendre les attitudes des enfants originaires de ces différentes catégories à l'égard de l'enseignement. Les espérances subjectives sont fonction des chances objectives. Mais, troisième et dernier moment, il me semble que, armé de cette connaissance des régularités objectives, on peut alors comprendre le rapport que les diverses catégories d'étudiants ainsi définies entretiennent avec ces régularités objectives, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre comme vocation, ce qui n'est souvent qu'un destin. Et donc, si nous voulions à tout prix accorder une certaine spécificité à la sociologie, nous dirions que, comme les autres sciences, elle a pour tâche de saisir les régularités objectives auxquelles obéissent les conduites humaines, avec une tâche supplémentaire, celle de décrire les rapports plus ou moins idéologiques, plus ou moins fantasmagoriques que les sujets sociaux entretiennent avec ces régularités. Et si on voulait trouver à tout prix une spécificité de l'épistémologie des sciences de l'homme par rapport à l'épistémologie des sciences de la nature, il me semble qu'on pourrait la trouver dans cette nécessité de prendre pour objet, outre les régularités objectives, le rapport des sujets aux régularités objectives, parce qu'après tout, les planètes ne tiennent pas de discours sur les régularités auxquelles elles obéissent.